Et yo tout le monde, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode je ne sais plus combien. Voilà, je n'ai plus le numéro. Du fermier luxembourgeois, donc c'est sur Farming Simulator 2017. Cette vidéo du coup un petit peu spéciale parce qu'on va arriver à la fin, en fait, je vous le dis dès le début. On va arriver à la fin de la série. Je vous explique si c'est au fur et à mesure dans l'épisode. Puisque tout simplement on a décidé avec Zapivador de fusionner le fermier luxembourgeois et la série Les Deux Belges, on ne sait pas du tout comment on va l'appeler, mais ça va se jouer sur la map le fermier luxembourgeois. Ça sera du no cheat, du multi, chacun sa ferme. Comment en fait, si vous voulez savoir comment ça va se passer, bah, regardez. Moi ouais, j'ai trouvé la touche pour sauter sur mon volant. Ok. Si vous voulez savoir comment ça va se passer, bah, regardez la série Les Deux Belges, on explique tout. Il y aura peut-être le mode saison, on est en train de réfléchir. Voilà. Donc, et du coup, ce sera cette série-là uniquement pour le fameux Luxembourg. D'ailleurs, il faut que je réponde encore ce bug-là sur la map. Puisque elle est sortie, mais déjà la fois dernière, et il y a toujours bah, quelques bugs, on me l'a signalé, notamment celui-ci, qui il me semble avait été réglé pourtant, mais bon, voilà. J'ai peut-être pas la bonne version de la map. Du coup, oui. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. On a prévu deux choses. La première chose, c'est les moutons et les vaches mangent, puisqu'il y a de l'herbe dans leur pré. Je n'aurais pas donné à manger, mais j'ai installé un script sur la map pour qu'il y ait de l'herbe dans leur pré. Au fur et à mesure, l'herbe va disparaître d'ailleurs. Mais ils font de la cochonnerie. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est ne pas m'embêter. Je suis riche, après tout. Je vais voir pour un robot Lily. Vieux mode, hein, qui est sorti il y a un moment. La condition que je leur pose, bien évidemment. Robot Lévi, il est dans les animaux, j'en suis persuadé. Voilà, j'ai gagné. Hop, celui qui va faire tout seul, je vais le mettre là. Et normalement, il va partir. Normalement, il va partir. Il est parti. Ok. Normalement, je pense que c'est bon au niveau du truc qui devrait détecter. Celui-ci, je peux le mettre. Placement impossible, placement impossible. Ah, t'es comique, t'as un placement impossible. Vas-y, Didier, quoi. Peut-être un peu compliqué pour les vaches. Bon, bah pour les vaches, il va falloir faire à la main. C'est pas grave. J'avais. Bon, je vais pas prendre mon autre abonnement. J'avais normalement une espèce de petit trou. Je ne l'ai plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le racloir. Je vais le. Oh là là, il me manque deux configs, moi. Je sais même pas ce que c'est. Bon. Du coup, on va prendre les robots. De toute façon. Allez. Je vais me prendre mon petit tracteur. Oula, l'autre, il est toujours. Regardez. Il est où? Ah oui, il est au sommet. Bah, je m'occuperai de ça plus tard. Je ne savais même plus que j'avais là, ça fait presque une semaine que je n'ai pas touché. D'ailleurs, vous avez vu l'épisode la semaine dernière. Une semaine que je n'ai pas touché au jeu. En tout cas, sur cette map-ci. Ah oui, du coup, d'ailleurs, regardez. Là, vous m'entendiez appuyer, c'est l'habitude. Je vais le tab et normalement, si j'ai bien fait ça, normalement, vous connaissez Rocket Power Grid. Et en fait, c'est toutes les touches qui sont configurées. Donc là, je vais manger 5, ça fonctionne sur tablette et tout ça. Et si j'appuie sur une touche démarrage moteur, ça démarre. Et en fait, ça me permet, je trouve, d'avoir un peu plus de réalisme.
dans le sens que bah, voilà, je monte dans le tracteur et puis je peux le démarrer, je peux même là je quoi. Je rentre, je fais le ventre, je reviens, ma pétate. Je peux faire de la radio. Accrocher les équipements directement dedans, mettre la bâche, déplier l'équipement, démarrer l'équipement, je peux baisser, changer la sélection d'outils, décharger quelque chose, changer ça va. Le giro, changer la semence, statistiques, hein, je regarde après, hein. Bon, je recommande la compte parce que je regarde la note, et j'ai de fait pour le proxy et pour le GPS, voilà. Donc du coup, ben, ouais, cette série qui va toucher à sa fin, sur cette, sous cette forme-ci, en tout cas, hein, puisque on a déjà prévu, moi je reprends la ferme H, enfin, la ferme. Le série arrière et d'élevage, et puis l'odeur reprendra la ferme maraîchère. J'ai juste coupé par le giro. Oui, d'ailleurs, les FPS diminuent. Il faut savoir, j'ai un peu moins de FPS qu'avant, mais c'est parce que je suis, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai envie de repasser la série à 0 sur une sauvegarde stable. C'est que je suis en train de préparer la V1.1 de la map où je règle les différents bugs. D'ailleurs, j'ai refait le nav-mèche des vaches. Et tous ces bugs-là, je veux les régler au plus vite pour ressortir la V1.1 au plus vite. Et en fait, du coup, il y a tellement de changements que ça a corrompu la sauvegarde. Et moi, ça ne me plaît pas. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'avais sûrement acheté par d'autres. Donc, normalement, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas écraser avec ça, mais voilà. Je fais que ça sous la main. Bonjour, plus à la caméra, je vais vous. D'ailleurs, un beau collègue, j'ai déjà prévu de reconvertir sur 2019 le plus tôt possible. Comme ça, on retrouvera nos modes sur 2019 et puis tout le monde sera heureux. J'espère. Hop, je tape le terrain. C'est parfait. Ça fait deux petits traces. Et je vais mettre le tracteur ici. Est-ce que j'ai un côté? Allez, dans le dos, tu pourras prendre de l'arbre en tout cas. Je n'en ai pas dans la ferme. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir faire ce que j'avais prévu de faire pour changer. J'avais prévu. Faire ceci et de m'occuper des chevaux. Mais vous savez quoi, je crois que je vais d'abord m'occuper des chevaux. Ouais, d'ailleurs, je confirme, c'est une ancienne version de la map. C'est pour ça que j'ai encore le bug avec. J'avais encore un bug là-haut. C'est ici, normalement, ça a changé. Ce n'est plus du tout comme ceci. Je
Ouais, c'était ça, il faudrait que je regarde dans la vis. Du coup, moi, je vous parlais tout à l'heure du truc pour le. Ouais, c'est terminé, ouais, ça arrive. Pour ma rétracteur, tout ça, j'ai configuré, je me suis amusé. En fait, j'avais déjà sur 2013. Faire ça pour tout ce qui est la maçonnerie aussi, puisqu'il y a des billets, la buse, il change la trémie, tout ça qui change. Donc voilà, j'ai ça. J'ai aussi pour la version, le merlot. Je vous montrerai peut-être un jour comment le faire, peut-être un petit tuto, quelque chose comme ça. Du coup, oui, ce que j'ai décidé de faire, puisque je suis un gros flemmard, c'est d'acheter directement les ballots de paille, puisque c'est pour les chevaux. Et c'est pas grave, je me débarrasserai du reste. D'une manière ou d'une autre. Alors, on va choper le petit truc. On va essayer de la faire de l'intérieur. Je sais pas s'il peut choper en fait. Oh, le travail. Bon, ça parle. Bien vouloir marcher, ça par contre. Ça parle de bien vouloir marcher. Alors. Je crois qu'il m'a mis en chargeuse sur deux. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais il est en chargeuse sur deux. Il faut que j'affiche. Alors, ça, je vais le transformer. Oui. D'accord. Donc, il est en train de me dire que je ne vais pas pouvoir piquer dedans. Est-ce que vous voulez que je mette ça? J'ai tenté avec ces fourches-là, mais c'est pas moyen. Ah non, je ne veux pas mettre de pique à balle. Franchement, sur un petit engin comme ça, une petite pique à balle, ça va être pas fait de mal. Bon, visiblement, c'est leur choix. J'ai celui-là qui s'ouvre. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de faire du montage sur les vidéos, puisque ça me prend du temps, énormément de temps en fait. Les chevaux, c'est comme ça je vous montre un peu comment on fait. C'est une activité que j'ai pas encore faite. Je sais pas si je recorderai encore un autre épisode en fait après celui-ci pour tout simplement ouais, faire quelque chose en attendant la prochaine série parce qu'elle va pas arriver d'ici là. J'aimerais finir de mon côté la version 1.1. D'ailleurs, il y a un truc sur la version 1.1 qui va être pas mal, je trouve. Je pense que je peux vous le dire. Peut-être que je bug énormément. C'est pas vrai, je pense que c'était la sauvegarde automatique. C'est le fait qu'on ait plein de boue maintenant et qu'il va y avoir le train qui va faire le tour de la map jusqu'à la Syrie. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. J'ai décidé de mettre le train. Il y aura le train et c'est pas le train. D'ailleurs, donc j'y suis à Gamescom. La Gamescom, samedi soir, même pas précis. La Gamescom se fait du vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, oui, c'était sympa. On a vu quelques trailers, on a vu du gameplay. Moi, je trouve, je pense que ça fait là, permet de grandes choses, même si j'ai vu des gens mais principalement en fait, pour les graphismes. Moi, c'est un choix personnel. Moi, je trouve que les graphismes sont très bien comme ils sont. Attention que voilà, le truc pourrait être encore plus beau, hein, ça je dis pas. C'est une touche, c'est dans le sens que voilà, une grosse communauté derrière, mais c'est pas un Battlefield 5, un GTA, qui va être téléchargé, acheté à des millions d'exemplaires, mais alors, oui, quelques exemplaires, on va mettre sur le record avec le 17. Mais voilà.
Je trouve que, contrairement à Catalan Corpse, qui est une sortie, de toute façon, je pense toujours, je juste regarder les vidéos, je trouve que Catalan Corpse est sorti, elle a apporté beaucoup d'amélioration, mais les gens l'ont oublié. Que Farming, tu tiens 2 ans, en fait, jusqu'au prochain. Tu vois, ça fonctionne, en fait, d'aller jusqu'au Farming suivant, comme ça. 1497. Oui, du coup, voilà, l'eau normalement c'est ici. Le problème étant que pas très grave, visiblement. Parce que lui, il peut prendre que la belle, il peut pas prendre une tonne, forcément. Donc je suis obligé d'acheter un facteur. En tout cas, il prend pas la tonne que je veux lui mettre. Et là, ça me fait penser que, je suis pas si je les ai vus, ceci, je ne pense pas quoi que je ne suis pas sûr. Les sands seront. En tout cas, je pense qu'il y a un petit comme ça qui sera sur Farming. 2019, ou 5500, quelque chose comme ça. Ok, j'ai acheté celui-là. Je vais mettre une tonne. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est le jour dans le prix. J'ai coupé le moulin. Une fois encore ça, bon, finalement j'avais prévu de semer des patates, mais ça a pris plus de temps que prévu, puisque on a gagné avec les bottes. Lui, il a spawné, bah, il est à la première étape. J'espère que je vais pas tranquille. Ouais, ça devient le bazar sur la map. Vous pouvez voir c'est bien un bordel de son nom. Alors. Je les ai quasiment jamais utilisés. Je pense que sur la prochaine partie, je le ferai. Parce que moi, j'ai jamais la ferme. Donc, comme je vous l'ai dit, élevage, c'est rien de bien. Et je pense que je vais partir sur du matos. Bon, c'est important quand même. Mais un petit truc comme ça, je sais pas. Je pense que j'ai peut-être fait prendre des. Oh, je suis en train de voir les lèvres du nez. J'ai peut-être occupé des chevaux aussi, quelque chose comme ça, au moins j'ai sa pigadeur. Je verrai. Parce que lui, il va prendre déjà le raisin. Voilà, dans la boue, il en peut plus. Il va prendre le raisin déjà. Voilà, l'animation se fasse dans l'eau. Voilà, c'est génial, c'est magnifique. Ben vous savez quoi, je vais faire ma pizza avec vous. Voilà, ce sera ça. Voilà, galère pour faire une pizza. Voilà. Comme ça, je verrai. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour avoir la suite. De toute façon, vous l'aurez quand même. À vous abonner. Si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Bonjour ma chouine. Allez, ciao tout le monde, c'était Nico.